Bonjour, bonjour Irène Papaligouras. Vous avez étudié l'économie à la London School of Economics. Vous avez continué à Dauphine, en France. Vous avez fait une carrière remarquable dans un des plus grands groupes français qui est devenu Total après avoir été Elf, etc. Et aujourd'hui, vous vous posez de nombreuses questions sur le futur de la planète et cela vous amène à créer un forum mondial. Alors, voilà. On est habitué aux forums mondiaux puisque ici, à Lille, on a le World, le Forum mondial de Lille. Et vous voulez en faire un à Thèbes. À Delphes. À Delphes, pas à Thèbes, à Delphes. Alors, nous allons l'appeler World Human Forum. World Human Forum. Et alors, le terme humain, est vraiment au centre de ce forum. Pourquoi ? Parce que nous considérons que nous sommes dans la fin d'un nouveau Moyen-Âge et qu'on va vers une renaissance et que cette crise systémique qui a commencé vers 2008 nous amène à cette nouvelle renaissance que l'on doit construire et que cette renaissance-là, le centre en est l'homme et notamment l'homme créatif culturel puisque c'est l'homme qui se préoccupe de se connaître lui-même dans toutes ses dimensions, aussi bien spirituelles que physiques, matérielles, que psychologiques, etc. Et nous pensons que c'est ces hommes-là qui vont construire eux-mêmes le renouveau. Alors, justement, tout le sujet, c'est votre dernier mot, le renouveau. Alors, de quel renouveau s'agit-il et en quoi ça serait un renouveau, justement? Parce que là, on recoupe cette idée de changement de paradigme qu'on a évoqué dans d'autres vidéos. Voilà. Nous constatons donc que les systèmes économiques et politiques actuels arrivent vraiment dans une impasse. Pourquoi c'est une impasse? Parce que beaucoup pour des problèmes écologiques, énergétiques, on est trop nombreux sur la planète et on n'arrive plus au niveau des ressources à subvenir de manière correcte, disons, aux besoins de tout le monde. Vous faites référence là, à ce moment-là, à halte à la croissance de Mido, voilà, le club de Rome. Donc, absolument. Effectivement, on voit que comme certaines personnes le font remarquer, il n'y a que les économistes et les fous qui peuvent croire qu'on peut avoir une croissance exponentielle dans un monde fini. Exactement. Et plutôt que du quantitatif, il s'agirait de faire plus dans un qualitatif pour chacun. Mais alors là, vous rejoignez complètement le cri d'alerte qu'a lancé le pape. Qu'a lancé entre autres le pape, mais aussi le Dalai Lama. Le Dalai Lama, exactement. Et aussi, moi, je rejoins tout un courant de nouveaux physiciens qui nous expliquent que le monde est spirituel, que ce n'est pas un monde matériel. Et qu'il faut prendre la dimension subjective, la singularité de chacun. Il faut la prendre en compte dans la construction d'un nouveau monde. Et pour cela… – D'où le Human Forum. – Voilà. – D'où l'homme au centre. – Le nouveau soleil. – Mais alors, vous allez inviter des transhumanistes ?– Non, parce que pour moi, les transhumanistes… Oui, vous voulez dire que vous allez les inviter. ils sont… Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner, mais plus dans la dimension du robot que la dimension spirituelle de l'homme. Mais donc, ce que, depuis 2 ans, avec ma partenaire Alexandra Mitsudaki, on est en train de faire le tour du monde des initiatives qui existent dans différents domaines. Je vais citer le film Demain qui a un certain succès, que beaucoup de gens connaissent. On a été voir, par exemple, la ferme de permaculture de Bec-et-Loin. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui font la même chose dans d'autres régions du monde. Nous avons suivi les travaux de Céline Alvarez sur la pédagogie. Nous avons découvert un maître d'école crétois qui, sans le savoir, faisait du Céline Alvarez. Nous avons beaucoup… Vous êtes parti à la recherche de tout ce qui pouvait
alimenter cette réflexion autour de l'homme, autour de la place de l'homme dans le futur. L'altruisme, la bienveillance, la générosité, etc. Toutes les dimensions, et on a vu que c'était immense, et qu'il y aurait certainement besoin d'un lieu rassembleur, où ces gens-là, qui pour l'instant sont des initiatives petites et isolées, mais qui ne demandent qu'à grandir, puissent se voir pour dialoguer et pour développer, expérimenter, innover, dialoguer et développer ensemble. Alors, ça me semble très proche de cette discussion qu'on avait eue avec Ariane, qui est l'auteur d'un livre sur les créatifs culturels, sur la relation au monde qu'entretiennent les créatifs culturels. Donc, en fait, vous reprenez cette analyse. En fait, absolument, vous voulez faire une sorte de sommet pour les créatifs culturels, on pourrait presque dire. Non, nous… Que Davos serait plutôt un sommet pour les modernes. Pour les corporates ou les modernes. Nous, on ambitionne d'en faire un think, mais aussi et surtout un do tank. Le fait de montrer que ça existe, que ça fonctionne, on espère attirer même les modernes, ou surtout les modernes, dans ce nouveau modèle, qui se disent, il existe des choses qui ne sont pas dans, dans notre paradigme, dans ce qu'on sait faire. Après tout, il ne faut pas se priver, il faut y aller aussi. Mais on n'est surtout pas dans l'exclusif, on n'est pas dans le « ou » nous, on est dans le « et ». Il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs façons de faire, et il faut les embrasser toutes. On est dans une espèce, on espère, en tout cas on voudrait être dans une espèce de transcendance. Et alors là… Pourquoi cette ville? Pourquoi Delphes? Alors Delphes, dans l'Antiquité grecque, était le nombril du monde, et c'était, il y avait le temple d'Apollon, et il y avait une fête delphique au printemps, où les peuples de la Méditerranée venaient à Delphes pour échanger sur leurs valeurs, sur leurs expériences et célébrer ensemble l'arrivée du printemps. Et on a trouvé que cette symbolique était forte, et également le fait que la Grèce est dans un état de désagrégation avancée, et que peut-être que quelque chose de nouveau, cette renaissance au renouveau dont je parlais, pourrait émerger d'un pays qui est en mauvaise posture actuellement, mais qui symboliquement a beaucoup apporté à l'humanité. Et comme nous sommes grecs toutes les deux, et on a eu cette opportunité de se voir donner le centre culturel, qui s'appelle Centre culturel européen de Delphes, pour faire cette manifestation, on a décidé que le 1er et le 2 avril 2017, on va inviter un certain nombre de personnes, une centaine, non pas pour le premier forum, puisqu'il n'existe pas encore, mais pour co-réfléchir et co-construire le forum, le World Human Forum. Pour l'instant, on est dans le projet, dans l'espoir, mais on voudrait fortement que ça aboutisse. Merci beaucoup, Irène. Merci d'être venue dans notre studio. Et nous allons évidemment suivre les aventures de ce forum, World Human Forum, et la manière dont il va se développer. Donc, premier rendez-vous en avril. Alors, j'espère que ce ne sera pas un poisson d'avril. Non, c'est l'anniversaire d'Alexandra, le 1er avril, donc ça devrait très bien tomber. Et on remercie vraiment l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants pour sa bienveillance. Bien sûr. Et sa générosité. C'est notre rôle d'être bienveillant face aux innovateurs. Voilà. Merci.